Salut les chéris. Salut mes amours. Il fait beau, on bronze. Le pire, c'est que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une journée géniale. Très belle. J'ai passé la journée au soleil. Super. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de place. Ouais, elle a changé de place. On va vous montrer un petit peu ça. Parce que là, on a plein de nouveaux. Hier, John a eu un nouveau, mais finalement, il s'est enfui. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que John lui a fait peur. Donc, moi, je reste... Attention. Là-haut, Chrissa s'est mise là. Ouais. Voilà. Question de soleil, question de luminosité, question d'éclairage, de chaleur et tout ce que vous voulez. Voilà. Domino râle parce qu'il est à plus de 5 mètres de sa maîtresse. Voilà. Là, nous avons un van. À nouveau. Voilà. Et ça, c'est un abonné qui ne veut pas être filmé, mais qui m'a autorisé de filmer quand même son van. Donc, c'est Philippe El Gringo. Voilà. Vous savez maintenant à quoi il ressemble, Philippe El Gringo. Et bien sûr, derrière, dans le prolongement, nous avons toujours 50 nuances d'orange avec notre vedette nationale, internationale, John. Yes. Plus que... Attends, je suis toujours en shirt. On était en train de dire qu'il a fait beau toute la journée, c'est vrai qu'on a un super temps. Hein. Bah oui. C'est pas pour vous faire envie, mais c'est vrai. On s'est fait faire du naturisme. Et puis on s'est dit, merde, les émeutes, tout ça, il y en a assez en France, on les laisse. Ouais. Non, puis en plus, Chrissa, bon, elle voulait pas faire un striptease devant tout le monde. Non, elle a des préférés. Ça a fait des déçus, hein. Ça a déçu du monde. Donc du coup, bon, voilà, domino. Alors, ce monsieur, c'est un Anglais. Il nettoie à la chiffonnette tous les jours, son camping-car. Oui. Et donc là, Domino vient de pisser sur son pneu. Donc c'est une horreur. Voilà. Là, c'est vraiment l'horreur pour cet homme. Voilà. Oh là là. Son pauvre bébé a eu un peu de pipi. Et derrière sont des Hollandais très très sympathiques aussi. Enfin, je dois dire que là, on est vraiment... On est bien. Oui, ça change de temps en temps. On a toujours des gens très bien, hein, qu'est-ce que t'en penses? T'es un petit peu contre toujours parce qu'il y a le magnifique soleil qui est en train de se coucher. Mauvais. Je crois ça, que... Le soleil. Domino, viens ici. Cette nuit, il va falloir qu'on chauffe Domino. Parce que vu qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel... Je crois que cette nuit, on va caille. Finalement, la journée s'est finie tranquille. Philippe El Gringo a rejoint les rangs d'une mini-communauté ou d'un rassemblement, puisque là maintenant, nous sommes quatre. Donc, Philippe El Gringo qui commente beaucoup une chaîne, une autre. John, qui est le fourgon de la morue. Chrissa et moi, vous nous connaissez. Tant qu'on a bu un verre, deux verres, et de bonne heure, nous sommes retournés chacun chez nous, après des conversations passionnées, toujours. C'est incroyable comme à chaque fois, nous avons des gens passionnés qui ont beaucoup, beaucoup de choses à raconter dans leurs aventures, mes aventures mécaniques, techniques, de voyage, etc. Et là, il commence à faire nuit, il commence à faire froid. Donc, chacun chez soi, on rentre. Mais je sais que demain, on aura encore beaucoup, beaucoup plaisir à se voir, à se parler, à se raconter. En tout cas, le point commun, le fil conducteur de toutes les personnes que je rencontre au fil des mois, c'est que tout le monde a beaucoup, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager, beaucoup d'aventures, beaucoup d'expériences de vie. Alors, YouTube, finalement, reste qu'une introduction.
parce que depuis le temps que Philippe El Gringo me suit, parce que lorsque je faisais les vidéos sur Ronde sans complexe, il me suivait déjà. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se raconter. Je pense que je ne sais pas, je ne veux pas prévoir à l'avance, hein, parce qu'après tout, voilà, chacun est complètement libre, chacun est nomade, mais que le Portugal, l'Algarve plus précisément, va être un lieu de repli assez sympathique pour passer l'hiver, le plus gros de l'hiver. Qu'est-ce que j'en sais? Rien du tout. On verra bien au cours des jours. Ça, c'est l'avantage des nomades, c'est que aujourd'hui, je sais que nous allons tous dormir ici. Dans une semaine, dans deux semaines, bouh, c'est trop loin. Je ne sais pas du tout, du tout. Je vous fais plein, plein de gros bisous à tous. En tout cas, une petite information. Je suis très, très contente puisque John a trouvé ses médicaments pour son diabète, par rapport au garage, etc. Tout s'arrange. Et oui, on fait partie intégrante les uns des autres d'une vie et tout, quand il y en a un qui a des embêtements. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je sais que Philippe El Gringo va tenter peut-être de me faire voir d'autres points de vue que lui. Mais ça, c'est pas grave. Au contraire, ça m'intéresse d'entendre d'autres choses. Cette fois-ci, ciao, ciao. Ordonnance que demain, elle m'a fait... Ah bon, ben ça va alors.